Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon premier grand chelem. Ça y est, on a débloqué les grands chelems. On joue Roland Garros. Aujourd'hui, je suis du côté du Portugal. Donc, le voyage ne va pas me coûter trop d'énergie. Donc, ça, c'est plutôt cool. Également, on est en difficulté légende. J'ai débloqué la difficulté légende. Donc, voilà, on passe du coup. Donc, il y a très facile, facile, normal, difficile, très difficile, expert. Et là, on va être en légende. Au niveau du format, ça reste pareil. C'est deux manches de trois jeux. Voilà, je suis quatrième mondial au niveau du classement, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Comme vous pouvez le voir, la première, c'est l'américaine, qu'on avait affrontée d'ailleurs. Et au niveau du multi, je peux vous montrer aussi mes résultats. Donc, en multi, ça se passe plutôt bien pour la saison 1. J'ai 323 points et je suis sur un bilan, comme vous pouvez le voir, de 92 victoires et 29 défaites. Je vous montre un petit peu le classement actuel en multi. Donc là, c'est du côté du circuit féminin. Vous pouvez voir, ça n'a rien à voir avec le circuit, enfin, il faudrait que je vous le montre, mais en gros, le top 10 chez les hommes, c'est à 3000 points à peu près. Genre le 10e, il a 3000 points, alors que chez les femmes, comme vous pouvez le voir, le 10e, il a 617 points. Il y a beaucoup moins de personnes qui ont fait une joueuse. Voilà, on est 39e. Mais voilà, pour la saison 1, restez dans le top 50. Je suis en train de monter un perso homme également. Let's go, on est parti, Roland Garros. Et petite cinématique d'intro. Alors, il n'y a pas de son, parce que j'ai dû couper les droits d'auteur, je crois. Il devait y avoir de la musique de droits d'auteur. Et let's go, Roland Garros. Alors, les débuts, on va affronter Kobayashi, qu'on a déjà affronté dans des tournois 1000. Donc, niveau 23. Donc, nous, on est niveau 30. Donc, normalement, ça devrait le faire. Hein. Pour ce match, petite température de 14 degrés. On est bien, on est bien. Ah, allez, c'est nous qui avons le service. Et d'ailleurs, le service qui est très, très fort sur le multi du jeu. Je vous avoue, je ne prends pas énormément de plaisir en multi. Il faut vraiment qu'il sorte un patch pour équilibrer certains attributs. Donc, j'ai hâte vraiment qu'il sorte ça parce que pour l'instant, le multijoueur ne ressemble pas à du tennis, clairement. Ou alors vraiment que uniquement quand c'est vraiment deux bons joueurs de tennis. Vous voyez là ce qui se passe actuellement, c'est ce qui se passe souvent en multijoueur. C'est que souvent sur les services, c'est tu sers, tu décroises et tu marques le point. Bon, là, ça y est, on a un petit échange. On a un petit échange, ça fait plaisir. Attention à pas négliger les IA qui sont plutôt. Ils sont pas dégueulasses sur le jeu. On va essayer de gagner quand même cette première manche. Et là, on est en train de se fatiguer toutes les deux. Petit amorti. C'est risqué parce que derrière, ouais. Derrière, ça va croiser. Ah, sur le service, j'ai. Ouais, j'ai l'avantage. Oh. 40, 15. 40. Allez. Parfait, première manche, premier point marqué, je veux dire. Je vous couperai à chaque fois, je vous mettrai à chaque fois la fin du point. Quelque chose comme ça, comme je l'avais fait pour le match en multi. Parce que là, pour l'instant, bon, il y a quand même des petits échanges. Mais sinon, le match peut quand même être très long. Bon, on va faire ce deuxième point ensemble. Ou le premier point pour la japonaise, on va voir comment ça va se passer. Elle monte au filet. Et malheureusement, c'est dehors. Partout. Ça fait 15-15. Mais honnêtement, j'avais un doute de vous le proposer ce premier tour. Parce que je pense honnêtement qu'on va passer. Même si là, attention. Et c'est une double faute. On revient à 30-30. Comme je l'ai dit, c'est deux sets de 3 points, donc deux manches où il faut avoir 3 points. Ok. 30, allez. 40. La balle du break pour le deuxième point. Il faut pas que je sois non plus trop confiant. Attention à pas être trop confiant, ça me prend un contre-pied. Attention quand même, hein, 40-40. Et avantage. Je sais
pas des timings parfaits aussi pour l'instant. Je sais. Voilà. Égalité. Allez, égalité. On va essayer de prendre l'avantage de nouveau. Enfin, de nouveau, du moins. On va essayer de varier aussi un peu les coups. Oh, il va être compliqué d'aller. Oh là là, ça va être compliqué d'aller chercher le deuxième point là, j'ai l'impression. Aïe aïe aïe, il y a le service. Et bah, un jeu partout. Il y a 30-0. Mon service c'est bien. Merde, j'ai oublié de mettre de la puissance. Mon service s'est bien passé. Je vais voir pour tenter pourquoi pas une amortie. Je vais attendre de voir comment ça va se passer. Non, c'est bon. 40-0. Allez, peut-être le deuxième point. Et là, hop, là on décroise. Voilà. Souvent, voilà, en multi, c'est ça. Service, un gros service. Et en fait, derrière, tu décroises et ça fait le point. Et ça fait 2-1 pour nous. Il y a 40 pour la japonaise qui va peut-être égaliser. Eh oui. Et encore, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. J'ai voulu. J'ai fait la petite décale à droite et elle m'a encore mis au milieu. Ça fait 2-2, donc du coup là ça va aller jusqu'au quatrième. Il faut marquer 4 points je crois. Au lieu de 3 vu qu'il y a 2-2. Allez, il faut absolument... Je sais pas si la durée du match a un impact sur notre endurance pendant tout le tournoi, je pense que oui. Donc ça serait bien qu'on plie très rapidement le match. Je vais tenter un amorti. Hop. Et elle a pas croisé. Hein. Elle a pas croisé. Ok, bon bah déjà, on galère quand même un petit peu hein, pour le contre une joueuse de niveau 23, si je dis pas de conneries, ou niveau 25. Donc après le problème c'est qu'il y a plusieurs profils de joueuses. On a les profils aussi des joueuses qui montent au filet. 40. Qui sont un petit peu chiants à jouer. Ok, 40-0 pour nous. Là, ça s'est bien passé. On va essayer de servir bien comme il faut. Oh là là, c'est pas possible. 40-15. Alors, ce qui est bien aussi, c'est tirer fort dans les pieds comme ça. Du coup, elle renvoie mal la balle et comme ça, vous pouvez 40, ensuite derrière... 30. Attention. Des croises. Ok, c'est bon. C'est bon. La balle de 7 pour gagner cette première manche. J'essaie de balancer des grosses frappes sur elle. Parfait. Allez, on gagne la première manche. Ok, je suis à 40-0 sur mon service. Ça s'est bien passé là aussi. Oh, ouais, parfait. On prend le premier point. Maintenant, service pour la japonaise, c'est dans le filet. On est bien niveau endurance, hein, que ce soit pour moi ou elle. Et on peut voir que dès qu'elle met des gros coups, niveau endurance, on peut voir un petit peu hein, ses stats. Elle a 66, elle a un peu plus d'endurance que moi pourtant. Elle sert bien. Elle sert bien. Hop là. 15, 30. Ça va pas être comme je dis ce premier tour il allait pas être foufou. Va falloir attendre qu'on affronte des joueuses de niveau 30 et aussi de vraies joueuses pour le coup. Estrada, et bah voilà, 2-0. Estrada, allez, et en plus on sert pour la victoire. Oh là là, voilà le petit 15, service 0. Vous voyez là ce que je viens de faire là, c'est typique ce qui se passe en multi, tout le temps. Tout le temps. Et encore, hein, j'ai pas énormément en service. Mais voilà ce qui se passe en multi, là vous avez vraiment l'exemple parfait. Ça a été assez rapide. J'ai pas mis assez de puissance. Mais c'est pas, je peux décroiser. Et c'est terminé! On passe le premier tour tranquillement, même si au début on a eu un peu de mal lors du premier set. Le match a duré 11 minutes, voilà.
Alors, je peux vous faire montrer aussi le tableau, pour le coup. Le tableau avec les joueuses. Alors, prochain adversaire, c'est Emma. Alors là, du coup, on est sur une vraie joueuse. Et donc, voici, du coup, le tableau. Et on a déjà une surprise. C'est que la numéro 1 mondiale, elle a été éliminée dès le premier tour contre la 32e mondiale. Alors ça, c'est quand même une sacrée surprise. Hein. Ok, la numéro 1 mondiale est éliminée dès le premier tour. Ok, bah c'est une sacrée surprise. Et bah écoutez, rendez-vous du coup très très vite pour le deuxième tour. Et en attendant, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo, à t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas le cas. Et à très vite. Ciao tout le monde.